Mon banquier me propose une gestion conseillée pour 400 euros par an. Que faut-il en penser ? Les banquiers distinguent traditionnellement trois types de gestion. Vous avez la gestion libre. Vous effectuez vous-même les arbitrages. Vous choisissez d'investir dans l'action BNP plutôt que Société Générale, l'action Renault plutôt que PSA. Ce type de gestion libre s'adresse aux investisseurs autonomes. Vous avez ensuite la gestion conseillée. Votre intermédiaire financier vous adresse chaque jour ou chaque semaine la liste de ses valeurs favorites et celles à vendre. Vous êtes ensuite libre de suivre ou pas ses recommandations. Enfin, vous avez la gestion sous mandat. Vous confiez votre portefeuille à un professionnel qui s'occupe ensuite de la gestion en fonction d'un niveau de risque préalablement défini. Il vous en coûtera généralement autour de 1% du montant du portefeuille confié en gestion. Alain, je vous recommande d'essayer la gestion conseillée, surtout si vous disposez d'un portefeuille significatif. Je crois, si on a bien lu votre mail, que cela vous en coûterait 400 euros par an, mais vous rendrez compte assez rapidement si ce montant est raisonnable ou pas en fonction des gains engrangés suite aux recommandations de votre intermédiaire.